Les hommes te parleront de mon histoire. Toutes les erreurs de ma vie seront présentées devant toi. Si tu veux apprendre la vérité, c'est à toi de te rapprocher de moi et d'apprendre à me connaître, oh mon ami. Il y a une épidémie qui dévaste le monde entier. Et cette épidémie, c'est l'esprit de soupçon. Cet esprit de soupçon, il amène les querelles, il amène les critiques dans les cœurs des frères. Et par la suite, empêche l'action du Saint-Esprit dans le cœur du croyant qui témoigne de la parole. Oh, qui témoigne de la parole. Oh, oh, oh. Les hommes te parleront de mon histoire. Toutes les erreurs de ma vie seront présentées à toi. Mais si tu veux apprendre la vérité, c'est à toi de te rapprocher de moi et d'apprendre à me connaître, mon ami. Pourquoi donnes-tu raison au diable et ses anges qui se servent de tes cinq sens pour calomnier ton frère? Au lieu de le calomnier, aime-le davantage, car c'est là l'attitude d'un véritable chrétien. Les hommes te parleront de mon histoire. Toutes les erreurs de ma vie seront présentées devant toi. Mais si tu veux apprendre la vérité, c'est à toi de te rapprocher de moi et d'apprendre à me connaître, oh mon ami. Dans un circuit électrique, il n'y a pas que le positif, il y a aussi le négatif dans la version originale. Et la coloration produit un courant électrique qui permet d'éclairer la vie des humains. Dans un circuit électrique, il n'y a pas que le positif, il y a aussi le négatif dans la version originale. Et la corrélation produit un courant électrique qui permet d'éclairer la vie des humains. Apprends à me connaître, mon ami. Apprends à me connaître dans mes erreurs. Apprends à me connaître dans mes faiblesses. Apprends à me connaître dans mes manquements. Les hommes te parleront de mon histoire. Toutes les erreurs de ma vie seront présentées devant toi. Mais si tu veux apprendre la vérité, c'est à toi de te rapprocher et viens apprendre à me connaître, oh mon ami. Ah. Yes.